Cet homme a vécu assez. Il a sauté du 80e étage, pensant que ses derniers instants se termineraient en un clin d'œil. Mais il s'est alors rendu compte qu'une femme au 60e étage voulait également sauter. Quand il est passé la femme avait déjà ajusté sa respiration et a sauté. L'homme s'est immédiatement approché de la femme et l'a saluée chaleureusement. Quelle coïncidence! Vous êtes aussi une sauteuse? Après tout, ce n'est pas une chose honorable à faire. Et la femme a détourné la tête, embarrassée. En voyant les larmes au coin de ses yeux, l'homme lui a immédiatement tendu un mouchoir. La femme s'apprête à le prendre, mais le vent l'emporte. L'homme était un peu déçu, mais il avait réussi à conquérir le cœur de la femme. Elle prit la main de l'homme et sourit comme un ange. Tous deux se regardèrent et sentirent que c'était de l'amour. L'homme ne put s'empêcher de faire l'amour, mais la femme semble avoir quelque chose et le repoussa. Il s'avère qu'il y a une statue en dessous. Bien que la relation soit devenue à distance, l'homme continue pour rendre la femme heureuse. Une seconde pour changer une action étrange. Ensuite, l'homme s'est glissé du côté de la femme. Ils se tiennent fermement la main et dansent dans les airs. C'est un sentiment merveilleux qui vient du cœur, comme l'amour. Mais c'est de courte durée. L'homme qui a repris ses esprits s'est rendu compte qu'ils étaient très près du sol. Il savait que le temps était compté, alors il l'a embrassée passionnément. Au dernier moment de sa vie, l'homme avait trouvé le véritable amour, et il ne regrettait pas sa mort. Après un long processus, les deux ont finalement réussi à atterrir.